Wesh YouTube, c'est Phenox. Donc aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais jouer avec l'équipe de France UVM. Alors les gars, pour vous sortir cette vidéo, ça a vraiment été une grosse galère. Rien que de trouver la composition de l'équipe, j'ai mis au moins 2 heures. Franchement les gars, c'est pas genre tu marques composition équipe de France U20 et tu la trouves direct. J'ai dû aller sur le site de la FFF pour voir les derniers résultats de cette équipe, pour ensuite aller sur un truc qui pouvait m'envoyer sur la composition de l'équipe. C'est franchement une grosse galère. Après, il y avait des joueurs donc, qui n'étaient pas disponibles sur le jeu, qui n'existaient même pas. Ou alors, par exemple, comme Jean-Kevin Augustin, lui, hier, il n'était pas disponible. Il a été disponible que cet après-midi. Franchement, une grosse galère. Bon, là, j'ai toute l'équipe, juste les titulaires. Hein, parce que déjà que les titulaires, j'ai galéré à les trouver. Alors, les remplaçants, j'imaginais même pas, les gars. Juste, j'ai trouvé Scales, parce que je le savais, comme il est de loin. Sans plus tarder, je vais un peu vous présenter l'équipe. Et après, on ira faire un petit match avec. Donc, au cage. Bien sûr, on a Alban Lafont, donc ce goal c'est vraiment une grosse machine, on le connaît tous, hein, il joue à Toulouse. Ensuite, donc en défenseur droit, on a Kouateng, ensuite Boscagli, ensuite Mukiel, ensuite on a Ongene, je vous avoue, je le connais pas vraiment du tout. Donc il est défenseur central, ouais c'est vrai, je l'ai mis en défenseur gauche, mais voilà, il passe. Et surtout qu'en équipe de France U20, il joue en défenseur gauche, donc voilà. Après, donc en milieu droit, on a Blas, donc de Guingamp, ça je connais. Toussard, en milieu central, on connaît aussi. Merde, que j'ai fait. Après, Lopez, on connaît aussi. Thuram, je connais vite fait. Ensuite, Jean-Kevin Augustin, on connaît aussi. Enfin, je connais personnellement. Et Saint-Maximin, je connais aussi. Donc voilà, c'est ça l'équipe de France U20. Après, sur le banc, voilà, j'ai mis n'importe quoi. J'ai mis du genre de pression, on s'en fout. C'est ça l'équipe de France U20. Donc je vous propose d'aller faire un match amical. Et voilà, on verra ce que cette équipe donne en match. Allez. Donc voilà les gars, on a trouvé quelqu'un. Donc je viens de penser que j'aurais pu mettre le maillot de l'équipe de France pour faire un peu plus réaliste. C'est pas grave, hein, on va faire avec ça. Donc prêt, tout le monde est prêt. J'espère qu'il n'a pas une équipe de fou non plus. Parce que nous, notre équipe, elle est quand même assez faible. Oh là là. Oh là 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 là. Hop. Oh, c'était très bien ça. Remets. Ah putain, mec, t'es sérieux? Ah, commence pas direct à mettre des pauses ou des trucs comme ça, frère. Je m'en bats les. Rien à foutre. Je m'en fous, j'ai pas d'autre solution, je tape par derrière, carton rouge, je m'en bats. Ah, y'a rien, y'a même pas carton rouge? Si, quand même. Si, ok, c'est un peu logique. Cette perte de balle au milieu. Mais... Oh les gars, oui. Non, oui. Putain. Oh bah on va prendre comme elle a fait des trucs chelous. Oh putain les gars, c'est pas possible. Oh yes, on a réussi à le marquer. Les gars, on s'est fait dominer toute la première mi-temps. Et là, en fin de première mi-temps, dans le temps additionnel, on marque un but. Oh là là, putain. Oh. Fais gaffe, tu pourrais prendre une balle de mili. Oh là là. Oh putain. Oh là, j'ai l'impression que les gars, je sais pas, que j'ai gagné au loto ou un truc comme ça. Moi, je suis content. Prendre. Impossible qu'on. Oh non. Bruh. Voilà, je parle, je me concentre pas, je me prends un but. Pareil, ça plus. Oh, putain. Tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Oh là là, merde. Oh là, c'est la mi-temps. Détail du match, je pense qu'on doit être. Ouais, voilà. Oh putain, la possession et tout ça. Oh. Tiens, j'ai la haine, on avait une putain d'action, il nous a fait une vie. Putain. C'est pas possible qu'il se retourne comme ça. C'est pas possible de se retourner comme ça. Ah, mais en même temps, mec, c'est quoi ce but qu'il nous met, frère? Comment se fait qu'il... Oh, putain, c'est pas possible. On va se faire... Tu vois, d'un coup, on va tous se... J'arrive même plus à parler. On va se prendre 15 000 buts dans 10 minutes, tu vois. Oh, putain. Oh non putain. Oh putain, on aurait pu un peu revenir au score un petit peu, mais non. Non, j'y ai cru. Trop même, d'ailleurs. Ah non, ça va. Putain, combien il aura fait de barres et de poteaux, par contre, le pauvre. Hein. Quoi? Non, mais c'est quoi ce but qu'on se prend? Non. Oh là là, le bâtard. Oui, oh les gars. Oh putain. Comment il a fait? Je crois qu'en plus on a... Ouais, on a 6 mètres, parfait.
Après, on perd 4-1, tu vois, c'est pas ça qui allait changer le match, mais bon. Et je gamberge, je sais plus quoi faire. Me pète la tête au studio comme d'hab. Et je les vois jouer les fiers. Sans les des grands frères, comment ils seraient pas hal. Demande à l'union, on a eu 25 pères.